Chers auditeurs, ici Perceval le Lorrain. Après l'incendie de Notre-Dame de Paris, j'ai voulu écrire quelques lignes. Quelques lignes imparfaites que je vous partage ici. Tous, vous savez tous. Au fond de vous, vous savez qu'au crépuscule de ce lundi 15 avril 2019, ce n'est pas une flèche qui s'est effondrée, que ce ne sont pas des pierres qui ont brûlé, pas une charpente qui s'est consumée. Ce n'est pas un symbole de l'histoire de Paris ou de la France qui est parti dans les flammes, pas plus que celui de la civilisation occidentale. Certainement pas un symbole républicain, comme on a pu l'entendre dans un commentaire surréaliste. En cette ouverture de la Semaine Sainte, en ce soir d'allocution de la République, les signes sont trop clairs pour que vous puissiez les ignorer. Les chaînes d'information en continu peuvent bien tenter, par leur lieu commun, de distraire vos consciences, d'embrumer votre esprit en le conduisant au creux des volutes de fumée. Rien ne peut y faire. Votre cœur sait. C'est l'âme déchristianisée de la France, fille aînée de l'Église, qui crie. L'âme qui souffre le martyr de son éloignement d'avec le Père. Ce sont les pleurs de Notre-Dame au pied de la croix que vous avez entendus au milieu des flammes qui crépitent. Comment ne pas percevoir, en ce début de semaine sainte, en ces jours qui font revivre aux chrétiens la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, la douleur de l'agneau sans tache sur la croix. Comment ne pas voir, dans la chute de la flèche, la rupture entre le ciel et la terre, la séparation de l'homme et de son Créateur. Devant un tel déchirement, même la République embarrassée a dû renoncer à son programme. Notre-Dame de Paris est devenue, au moins pour cette soirée et sans doute pour les semaines à venir, l'épicentre du monde. Face à la crise sans précédent que la France traverse et qui ne fait sans doute que commencer, le message adressé par le ciel à sa fille infidèle est on ne peut plus clair. Les racines de votre mal vont bien au-delà du politique dévoyé. Et ce n'est certainement pas des banquiers qui ont remplacé votre roi que viendra votre salut. Alors, le feu est-il un signe du courroux de Dieu? Non. C'est l'amour parfait de Dieu qui s'exprime. Amour parfait, donc impuissant, qui laisse sa créature le rejeter et s'abandonner dans les bras du malin. Dieu permet le mal, il n'en est pas le créateur. C'est son absence qui lui permet d'exister. Parfois, il permet un mal pour un plus grand bien, comme nous l'apprend la sagesse de son épouse, l'Église. Dieu permet à sa créature de contempler le péché qui l'éloigne de lui. Les rayons de sa lumière et sa parole sont simultanément jugement, qui n'a pas ici le sens de condamnation, mais, comme le dit le père François Bousquet, celui de parole éclairante. Jugement donc, et promesse. Promesse que sa miséricorde est infinie pour le fils prodigue et la femme adultère qui reviennent humblement vers lui, le cœur contrit. Alors, douce France, tes pas te ramèneront-ils vers le Christ, sous le manteau de Notre-Dame? La cathédrale de Paris, vandalisée et profanée durant la Révolution, s'est relevée. Et elle se relèvera, cette fois encore. Des cendres, l'espérance va renaître. La ville d'Assise, après le tremblement de terre, a vu un torrent de solidarité affluer de toutes les nations pour l'aider à se reconstruire, elle, la patrie de Saint François. Parce qu'une génération tout entière, de tailleurs de pierre, d'artisans et de charpentiers, va désirer ardemment répondre à l'appel de la reconstruction de ce chef-d'œuvre des temps médiévaux. Parce que les cris de douleur, venus du fond des flammes, seront ceux de notre patrie qui gémit en travail d'enfantement. Parce que la sidération des passants et les pleurs des fidèles réveilleront nos cœurs endurcis par
par deux siècles de modernité. Parce que nous ne pouvons pas voir la France mourir. Parce qu'il nous est promis, dans l'avant-dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Parce qu'il y a urgence à aimer, et que le Christ nous appelle tous, chrétiens, païens, athées, musulmans ou juifs, à tourner nos regards vers lui, et à écouter sa parole salvatrice. Oui, tous. Car tous vous savez qu'il est présent au fond de votre cœur, et qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, tous. Vous savez ce que vos yeux ont vu.